Hello, hello! Tu me demandes très souvent si compter les calories peut t'aider à maintenir ton poids ou à en perdre. Eh bien, tu vas être ravie parce que c'est la grande question de cette vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour étudier les calories de plus près et te donner les meilleures méthodes. Comme tu le sais sûrement, les calories mesurent le contenu énergétique des aliments et des boissons. Tout excès est stocké sous forme de graisse et ce fait déclenche souvent beaucoup de questions de ton côté. Ce sera donc le point de départ de notre vidéo. On va voir comment compter, quels aliments ont le meilleur rapport entre calories et nutriments, pourquoi compter et comment obtenir des résultats avec tous ces calculs. J'espère que ce programme te plaît. Si tu ne me connais pas encore, alors en deux mots, je m'appelle Noémie et je suis nutritionniste. Avant de débuter, si tu souhaites voir plus de contenu de ce type sur la chaîne, alors pense à me l'indiquer en likant la vidéo. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, tu ne seras pas déçu, c'est promis. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que le comptage des calories est aussi populaire? En fait, c'est rassurant, ça te donne l'impression de contrôler la situation. Mais est-ce que ce sentiment de contrôle, il est justifié? Ça, c'est une très bonne question et on y revient un petit peu plus tard. Donc comme je te disais, c'est rassurant, mais c'est pas la seule raison. En fait, tu le sais comme moi, l'être humain, il aime quand les choses, elles sont simples. Et comme compter ses calories ou les grammes de macronutriments, ça paraît bien plus simple que de comprendre les effets complexes de la nourriture sur notre tour de taille, eh bien tu comprendras pourquoi cette méthode est si populaire. Alors je te précise directement que oui, les calories, ça compte, bien entendu, mais elles sont loin de tout expliquer et on va le voir après. Et aujourd'hui, avec toutes les applications qui permettent de compter les calories, tu te dis que c'est plus facile, qu'il suffit de scanner les produits et que voilà, c'est fini. Sauf que non, ce n'est pas fini. Mais avant de voir où ça coince, je veux déjà te parler des portions qu'on mange parce que c'est un peu la source du problème à mon avis. Alors c'est une réalité, au fil des années, la taille des portions a considérablement augmenté dans nos assiettes. Aujourd'hui, les grosses portions sont devenues la norme. D'ailleurs, dans certains restaurants ou même à la maison, aujourd'hui les repas fournissent deux fois, voire trois fois l'énergie dont une personne a normalement besoin. Et forcément, eh bien ça entraîne une prise de poids au fil des années. Quand on choisit nos portions, c'est souvent une question d'habitude, parce qu'en général, on n'est pas très doué pour estimer les quantités dont on a vraiment besoin, et on a tendance à manger toujours un peu plus que nécessaire. Et même quand tu comptes, eh bien, il faut reporter précisément ce que tu manges sans rien oublier. Par exemple, les boissons. Si tu mets du sucre dans ton café ou un petit peu de lait dans une boisson chaude, il faut aussi le noter. Je sais que ça paraît rien du tout comme ça, mais toutes ces petites choses cumulées tout au long de la journée, eh bien, à la fin, ça peut quand même faire une grosse différence. Si tu te donnes la peine de compter, eh bien, il faudrait faire l'exercice jusqu'au bout parce que sinon, t'as pas une information qui est très utile. Et en plus, c'est même pire parce que tu as l'impression de pas manger beaucoup et tu prends du poids sans comprendre pourquoi. Donc, pour la taille des portions, eh bien, on a un avantage en faveur du fait de compter ses calories, parce que dans ce cas-là, effectivement, ça peut te permettre de réaliser les quantités que tu consommes. Une fois qu'on sait ce qu'on mange, eh bien, il faudrait comparer à ce qu'on devrait manger pour voir si on mange trop ou pas assez. Si tu veux perdre du poids, eh bien, il faut chercher à créer un déficit en mangeant moins que ce que ton corps brûle. On arrive donc à la question que tu brûles de me poser, combien de calories dois-tu consommer pour stabiliser ton poids ou pour en perdre? L'apport calorique recommandé dépend de différents facteurs tels que le poids, la taille, l'âge, le niveau d'activité physique. La plupart des femmes ont besoin de 1600 à 2400 calories pour maintenir leur poids, tandis que les hommes ont besoin de 2000 à 3000 calories par jour. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours facile de déterminer exactement le nombre de calories à consommer. La méthode la plus précise pour calculer la dépense énergétique, c'est ce qu'on appelle la calorimétrie indirecte, et c'est d'ailleurs ce qui est utilisé pour les recherches scientifiques. Mais dans la vraie vie, on n'utilise pas cette méthode parce que ça prend du temps, parce qu'il faut des équipements scientifiques et du personnel. Donc pour gagner du temps et pour simplifier la démarche, les scientifiques ont inventé des formules qui permettent d'estimer le besoin énergétique. Ces équations se basent sur des données très simples comme le poids, le sexe, l'âge, la taille. Avec le temps, les scientifiques ont inventé beaucoup de formules. En préparant la vidéo, j'en ai trouvé plus de 200 qui sont chacune plus ou moins précises avec leurs avantages et leurs inconvénients. La précision des équations dépend de certaines caractéristiques. Certaines vont mieux s'appliquer pour les personnes en surpoids ou pour les seniors
ou bien encore pour les personnes qui mangent davantage de produits transformés ou beaucoup de protéines. Tout ça pour dire que les équations à privilégier ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde et qu'il peut y avoir des écarts assez gros entre le résultat de l'équation et la réalité. Ces dernières années, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a recommandé l'équation de Henry qui offre une meilleure estimation pour tout. Les équations de Scofield et de Mifflin Saint-Georges sont également largement recommandées. Tu trouves sur internet plein de calculateurs qui se basent sur l'une ou l'autre de ces équations. À toi de choisir un site ou une application fiable. À partir de ce chiffre, pour perdre du poids, il est important de créer un déficit calorique en consommant moins de calories ou en faisant plus d'exercices. Et certaines personnes choisissent de combiner les deux, en mangeant un peu moins tout en étant plus actives. Toutefois, il est important de continuer à consommer assez de calories. Il y a un minimum de nutriments à fournir à ton organisme, et ça même si tu essaies de perdre du poids. La partie la plus importante de tout plan de perte de poids, c'est de s'assurer qu'il va te convenir sur le long terme. C'est pourquoi la plupart des experts recommandent de réduire légèrement l'apport calorique pour favoriser une perte de poids durable. Par exemple, de nombreux régimes à la mode recommandent de consommer 1000 à 1200 calories par jour, mais ce n'est pas suffisant pour la majorité des adultes en bonne santé. Une réduction trop importante de l'apport calorique entraîne non seulement des effets secondaires graves, mais ça peut aussi créer des carences nutritionnelles importantes. Cette réduction, elle entraîne également des changements dans ton métabolisme, donc ton corps brûle moins de calories au repos, ce qui rend plus difficile le maintien du poids sur le long terme. C'est un point important qui m'amène à la question suivante, la qualité des nutriments. Les calories sont utiles pour savoir combien tu manges, mais elles te donnent aucune indication sur la qualité de ton alimentation. Ce qui m'amène à une nouvelle question, est-ce que toutes les calories se valent? Alors je sais, on aurait tendance à répondre oui, parce que quand tu dois surveiller ta ligne, chaque calorie compte, non? Mais comme tu l'imagines, ce n'est pas aussi simple. Oui, chaque calorie compte, mais toutes les calories ne se valent pas. Sinon, cela reviendrait à dire qu'une calorie de saumon, de palme, de fenouil ou encore de fraise tagada serait équivalente et aurait les mêmes conséquences sur ton poids et ta masse grasse. Mais je crois que tu ne seras pas vraiment surprise si je te dis que ces 4 produits ont des effets biologiques très différents sur l'organisme, en particulier sur le poids, le taux de masse grasse, et ça, même si on en consomme les mêmes quantités en termes de calories. En fait, chaque aliment a des effets spécifiques sur ton métabolisme, ta digestion, tes hormones, et ça peut autant stimuler ton appétit que te couper la faim. Les aliments ont des effets hormonaux sur l'organisme, certaines hormones disent « stocker cette graisse », d'autres « libérer du sucre » et encore d'autres « développer du muscle ». C'est pourquoi les régimes basés sur la même quantité de calories mais avec des proportions différentes de protéines, de graisses et de lipides ont des pertes de poids plus ou moins importantes. Il faut aussi relever que le calcul des calories est biaisé. Vu que les aliments riches en graisses affichent plus de calories, tu vas naturellement te tourner vers des aliments qui te pénalisent moins. C'est-à-dire vers le sucre ou les édulcorants, des produits qui ne sont pas forcément très sains. Et puis cela te détourne de certains produits gras comme le saumon ou l'avocat qui vont te protéger contre l'obésité et les maladies qui sont liées. Dans la pratique, même les personnes les plus motivées ou les mieux informées ne sont pas en mesure d'estimer leur apport calorique réel. Alors je ne parle pas seulement des calories ingérées, mais celles qui sont réellement absorbées par l'organisme parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Et cela peut avoir un impact plus ou moins grand selon tes habitudes alimentaires. Il y a aussi le fait que les étiquettes alimentaires ne sont pas forcément toutes très justes et qu'il est difficile d'estimer sa dépense calorique réelle. Parce qu'il n'y a pas seulement l'activité physique, mais aussi tout le métabolisme, les processus digestifs, ton microbiote et tous ces éléments peuvent être très variables. On dit que 2/3 de ta dépense calorique provient du métabolisme, donc c'est-à-dire ce que tu brûles sans rien faire, mais ça c'est une moyenne et ça dépend selon les personnes. D'un point de vue biologique, l'apport calorique et la dépense calorique sont liés, c'est-à-dire que si tu consommes moins de calories, eh bien tu vas dépenser moins de calories et vice-versa, ton organisme compense et ça c'est automatique. Cet effet de compensation permet aussi de comprendre pourquoi les personnes qui tentent de réduire leur apport calorique ressentent parfois de la faim et de la fatigue. C'est leur corps qui tente de compenser la diminution des calories tout en augmentant les apports et en réduisant la dépense d'énergie, c'est-à-dire avec du repos. Une des raisons pour lesquelles on reprend souvent plus de poids que ce qu'on en a perdu avec un régime, c'est justement cette fin de compensation qui nous pousse à manger plus. Et notre instinct de survie nous pousse en particulier vers des aliments soit très gras, soit très sucrés. C'est ce qu'on appelle la surconsommation compensatoire.
Les personnes qui comptent les calories ont tendance à développer des relations malsaines avec la nourriture et cela se traduit généralement par des troubles du comportement alimentaire. Malheureusement, dans la société actuelle, de nombreux troubles du comportement alimentaire sont considérés comme socialement acceptables ou normaux, ce qui fait que la personne ne se rend plus compte que son comportement est dangereux. Quand tu comptes les calories, il suffit de très peu de choses pour développer ces comportements alimentaires qui sont malsains. En fait, tu es tellement concentré sur la quantité de calories à ne pas dépasser que tu penses constamment à la nourriture. On dénature complètement la nourriture, on oublie que ce ne sont pas que des calories, mais qu'il y a aussi des nutriments importants pour l'organisme. Pour tous les aliments que tu aimes et qui sont un peu riches, eh bien tu vas commencer à te les interdire, ce qui fait que tu vas en rêver, passer beaucoup de temps à attendre avec impatience la prochaine fois que tu vas te les autoriser. Ce qui provoque beaucoup de stress et de frustration, sans parler de toute l'énergie mentale qui est concentrée sur ce que tu dois ou ne dois pas manger. C'est vraiment dommage parce que notre corps nous envoie des signaux pour nous indiquer ce dont il a besoin. Les signaux de faim et de satiété sont les moyens que ton corps utilise pour te dire ce dont il a besoin. Mais il y a tellement de choses qui nous ont poussé à nous déconnecter de notre propre corps, comme par exemple compter les calories, compter les points, compter les macronutriments, ou encore manger jusqu'à ce que notre assiette soit vide ou manger des portions prédéterminées. La plupart des études montrent que les personnes qui suivent un régime finissent par reprendre tout le poids perdu dans les 12 mois, et dans la plupart des cas, ces personnes reprennent même plus que le poids perdu. Ces régimes ne fonctionnent pas parce qu'ils se concentrent sur des changements à court terme pour obtenir des résultats et pas sur des changements à long terme. Et c'est mettre le doigt dans l'engrenage des régimes à répétition et l'effet yo-yo, c'est quand tu te dis que tu vas faire un autre régime parce que celui-ci n'a pas marché, mais que le prochain, ça sera le bon. Donc tu n'as pas créé des habitudes alimentaires saines, mais tu as plutôt mis en place un certain nombre de mesures drastiques pour perdre du poids aussi vite que possible. Et ça, eh bien, ça peut même te faire ressentir de la honte et de la culpabilité quand tu vois que tu n'y arrives pas. Mais au-delà des limites bien connues des régimes, compter les calories, c'est aussi se priver de la joie et du plaisir de manger, et ça, c'est sûrement le plus embêtant. Compter tout le temps peut te donner l'impression que cuisiner est une corvée ou que ton alimentation n'est pas satisfaisante, et ça, c'est parce que l'alimentation devient uniquement un chiffre et que tu fais la chasse aux calories. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que c'est utile de compter ses calories? Et à mon avis, il y a trois situations où le comptage des calories peut t'aider. Le premier cas, c'est un problème de santé, parfois on n'a pas le choix. Si le médecin te demande de suivre une certaine cible, alors il faut le faire. Deuxième cas, tu as besoin de corriger certaines habitudes parce que ton alimentation n'est pas équilibrée. Troisième cas, tu ne te sens pas bien dans ta peau à cause de ton poids. On parle de problèmes d'image corporelle. Il se peut que ton poids soit tout à fait naturel et confortable pour ton corps, mais tu as quand même le sentiment de devoir perdre ou prendre du poids à cause d'un dictat de la mode ou par peur du regard des autres. Mais dans ces deux derniers cas, le comptage des calories n'est qu'une solution à court terme, un pansement qui ne s'attaque pas au vrai problème. C'est pour ça que la solution n'est pas durable, compter tes calories ne va pas t'aider à mieux manger et ça va non plus pas t'aider à te sentir bien dans ta peau. Conclusion, tu n'as pas besoin de compter les calories et toutes les calories ne se valent pas. Pour profiter du calcul des calories, je te recommande de limiter le suivi. De temps en temps, pour vérifier les quantités que tu manges, ça peut être utile, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Rappelle-toi que le calcul des calories n'est pas une science exacte, donc ça ne sert à rien de suivre les calories de trop près. En plus, ton besoin en calories varie tous les jours, parfois ton corps a besoin de plus de calories et d'autres fois de moins. Se focaliser exclusivement sur les chiffres et le poids peut conduire aux troubles du comportement alimentaire et ça c'est le vrai danger, prends soin de toi. Et si tu souhaites un accompagnement complet, les programmes Noémie Nutrition sont là pour t'aider. Tu y trouveras liste de courses, menus, recettes, séances de sport, tout ce qu'il te faut pour bien faire. Et en ce moment, avec le code Noémie15, tu as 15% de réduction sur ton premier achat. Pour revenir sur la thématique des calories, j'espère que ce sujet t'a plu, que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense aussi à me laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir que je te réponds. En attendant la prochaine vidéo, je te donne rendez-vous sur tous mes autres réseaux, la liste. Stella et je te dis à bientôt. Allez, ciao !